C'est une maison de repos, non? Pour les personnes âgées. Et si c'est comme une maison de repos, le tour de poser. Est-ce qu'on peut nous demander en plus de dire leur prénom? Si t'as pas le droit, d'où vous venez? Si vous avez un papier d'eau. Une fois, j'ai été champion de Belgique aux 300 mètres. Je m'appelle Claudine, j'ai 13 ans, je vais très court, j'ai une sœur. Je m'appelle Zoé, j'ai 13 ans. Moi, je m'appelle Dorine, moi, je m'appelle Claudine, j'ai 13 ans. J'ai une grande sœur et un grand frère. Alléluia, 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 ressuscito, ressuscito. Alors on met tout ensemble, ça fait ça. Ressuscito, ressuscito. On y va. C'est lui qui va parler aujourd'hui, moi je vais me reposer un peu. Alors on va un peu écouter Stéphane, voilà, pour raconter sa vie, c'est son expérience, c'est pas une théorie où vous êtes, ah, vous êtes obligé de croire, mais voilà, c'est juste ce qu'il dit. Et là j'ai fait une expérience formidable, c'est que je n'avais plus rien, mais j'avais tout. Alors voilà, ça c'est l'état, toutes mes soirées, droguées. Mais elle m'avait dit, tu vois, un jour cette photo elle te servira d'esprit pour vous. Elle l'a dit il y a 20 ans. Vous voulez vous aussi trouver ce bonheur, comment vous pouvez faire? En termes chrétiens, ça s'appelle le salut, mais la traduction c'est le chemin. J'ai aussi une expérience, mais qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que l'on voit n'est pas pour ça invisible, toujours, mais ce qui ne se voit pas peut être là. C'est la même chose avec Dieu. Impossible d'avoir 3 minutes, ah ben, changer de place. Ça va? Vous êtes attentif parce qu'après, logiquement, vous comprendrez que c'est quelque chose qui vous concerne. Arrête. Ouais, bien vu. Attends. Alors il y a trois grandes parties. Alors c'est de ça que je veux.